sport, le sport est en filigrane. Flash, flash, actualité, actualité via Univers Sport. Flash, flash, actualité via Univers Sport. Toutes les dernières infos sur Univers Sport. Suivez Univers Sport avec Wilfried Boutus. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de qui zone qui vous écoutez nous et vous regardez nous. Nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace Univers de Sport avec Zimpa Wilfried Boutus à l'antenne. Nous saluons tous les amis qui écoutent nous sur la radio Vision FM, 106.5 FM, sérieux, sur le point Vision FM, haiti.com.net.org, les 832-900-99-1813. Et puis donc, les amis qui suivent nous sur RVMH Radio, Voix Mercier Hippolyte, WB Radio, Audio Now, 701-911-423. Dans la cour New York, Radio Modèle de EZ Toussaint Navaléen. Dans la cour Brooklyn, Queens, Long Island, Radio Télénago de France Nago.
et Haïti Best Radio de l'ingénieur Dagison Pierre. Et dans le pays d'Haïti lui-même, Radio RVC 89.1 de Pierre Richard Jean-Jacques. Dans la Coussemac, Radio Lacaille de Likenes Inakis. Poterie Précision FM de Jackson Prédestin. Et à Saint-Louis du Nord, Radio Réflexion Inter à 93.7 de directeur Nemchiout, directeur Lubens Joseph. Sapibon TV, Sapibon TV Plus, celui du Nord TV Network. Nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace univers de sport et prêt qui pourra dominer l'émission matin, après-midi. Et nous parlons là pour nous, ça y concerne du championnat national de la première division. Et côté nous, t'es gagné, 14e journée qui était arrivé jouer. Et équipe Bibalia lui-même qui était imposé devant équipe Baltimore de Sema 3-0. Et de l'autre côté, équipe Domboso de Pétionville imposé devant Cosmopolite 2-1. Côté nous, c'est 6 équipes qui parlent là pour jouer une qualification pour les playoffs. Équipe qui est déjà qualifiée, Association Sportive Capraz, qui a fini en première position. Et puis donc, équipe Asimbalia lui-même, qui a gagné là pour le finir en deuxième position, mesdames et messieurs. Et puis donc, nous avons gagné là pour nous, ça concerne le championnat, troisième division, côté nous avons gagné là pour nous faire le prêt concernant le championnat troisième division là, côté nous avons gagné pour nous venir avec quelques résultats et classements, mesdames et messieurs. Et puis donc, après deuxième division, puisque tu as gagné un compte qui t'a joué. Week-end qui s'est écoulé, équipe Saint-Louis du Noir même qui s'est fait une importante victoire sur équipe ASU du Noir, 3-2. Mais entre temps, Saint-Louis du Noir lui-même, vraiment là, nous avons eu un attaquant Saint-Louis du Noir qui s'est diamant Telfort, c'est lui-même, hier, qui perdit la ville là, bon, l'autre individu lui-même qui sous monsieur, vraiment là, c'est gros causé dans la course Saint-Louis du Noir, mesdames et messieurs. Et puis donc, nous avons là à l'étranger pour nous, ça y concerne deux la Ligue des Champions, équipe Real Madrid là même, qui en finale, pour une troisième fois, une collée avec l'autre, et durant de cinq dernières éditions là, Real Madrid lui-même qui paraît en finale pour une quatrième fois. Et puis donc, nous avons là pour nous retourner sur un compte ça, et surtout avec gardien demi. Gardien de but allemand lui-même vraiment là, qui bat Mikan lui-même, monsieur là, vraiment là, Dagui, monsieur qui était vraiment là, bat PI, à Karim Benzema. Et puis donc, nous avons là pour nous, jeudi, Liverpool lui-même, qui parle là pour un déplacement, la carrière équipe ASOM là, puisque dans le match, allez, jouer tous lui-même. Et qui était Wilfried Anseye, Liverpool, Wilfried Mengremoun sur le bord de Bam. Liverpool, lui-même, qui est en déplacement, mesdames et messieurs. Et côté lui-même, il n'y a pas de jouer avec l'équipe ASOM là. Et c'est pas de jouer avec l'autre remontada. Maintenant, moins de. Et dans là, côté de remontada, est-ce que l'équipe ASOM là lui-même, il va arriver à faire. Et puis, nous avons là pour nous parler. Concernant de techniciens ça, et monsieur lui-même là, qui sous la parlant de Roberto Mancini, monsieur lui-même qui t'a remis pour venir entraîner la sélection italienne de football. Après refus de Carlo Ancelotti, mesdames et messieurs. Et côté de Nabal Game pour nous aider ça. Et puis donc, il a bien là pour une balle de la NBA. Et puisque la playoff même vraiment qui a fait un petit bonhomme de chevelu là, et surtout avec la victoire de Golden State Warriors au devant des New Orleans Pelicans hier soir, Stephen Curry, monsieur lui-même qui était bel et bien retour, et monsieur lui-même qui était drop, on a fait de petits prêts le jeune avec Kendi. Et puis de l'autre côté, équipe Cleveland et LeBron James, eux-mêmes qui a imposé au niveau de Canada. Dans Overtime, Cleveland même qui bat l'équipe
Toronto Waters 113 à 112. Mesdames et messieurs, c'est tout le monde sérieux avec un pilote encore qui parle fait essentiel émission par un qui c'est univers de sport avec dans les paroles le foot boutiste à l'antenne. Dans les tous les amis, tout le fatigue, vraiment là qui a suivi nous et puis partout. Coach Arcel Frog, bonjour. Et Tizot Louis depuis New York, Seyan Eliodor, légendaire d'Arkison Pierre, nous saluons. Mesdames et messieurs, nous sommes présents après présent, côté Nap Gagné pour nous retourner pour les détails. Chercher assurance avec Living Benefits, assurance pour devoir vivre la même au cap. C'est contacter des top agent insurance in town. Ernso Dorvilus, 954-865-5284 ou 954-675-1598. Cash Value Life Insurance, Permanent Life Insurance, Ernso Dorvilus. Quelle que soit policy assurance là, que c'est Strips Life Insurance, Group Life, Health Insurance for Small Business Owner ou Non-Profit Organization, c'est encore Ernso Dorvilus. Depuis c'est assurance, assurance vie, assurance santé, Ernso Dorvilus. Index Annuities or Fixed Annuities Disability Income Policy Agent Ernst Dorvilus on the move pour aider n'importe policy assurance soit cherché que c'est Health Portion ou besoin Obamacare, Medicare, Medicaid Ernst Dorvilus 954-865-5284 ou 954-675-1598 ou besoin assurance pour Timoun tant que Florida Kids Care Long and Short Term Care Policy encore Ernst Dorvilus 954-865-5284 ou 954-675-1598. Ou pas le travail, ou pas de guetta préparer lunch, DMS Takeout Restaurant, votre cuisine créole. Il a servi breakfast le matin, all car of rice, grits, bonnons de fruits, foie dur avec maïs, bonjour yam caraïbe, hot dog, western omelette, bonjour morue en sauce, spaghetti, bonjour marinade, ham, bacon, or sausage omelette, yon spécial salade lambi pour vous servir. Poisson en sauce, side maïs moulin ou bien banane. L'or chachion, bon manger, n'allez plus loin. DMS Takeout fait delivery. Just call 954-366-5037. Quant à plat dîner au même, rice and beans, side salad ou bonhomme fruit, fried chicken, wings, shrimp, bonjour plat, tasso griot, turkey, fish, cabrit ou bœuf, ouvrez le fruit ou en sauce, légumes, lambi. Et les samedis même, yon spécial bouillon consommé, soupe jumeau les dimanches. Gain spécial $5. Au café commode, soit dans le travail ou bien la caille. Delivery a fait notre temps record, y'a déplacé à l'potel dans le travail ou bien devant porte la cave. DMS sortez car votre restaurant, votre cuisine créole. Adresse 103 North East, 3ème Street, Pompano Beach. En face Pompano Supermarket là. Téléphone 954-366-5037. Votre restaurant. Your top local real estate agent, is on the move for your home. Your real estate agent qui compte comment pour négocier your lower price for the home of your dreams. Ernso Dorvilus. Your real estate agent qui a fait 20K pour plus d'argent, c'est Ernso Dorvilus. Laissez your real estate agent qui travaille dans The Keys Company. Côté offre toute une série de services real estate dans toute transaction immobilière. Toute question acheter caille, vendre caille, buying, selling, leasing, refinancing, new construction, rental, international investment. C'est Ernst Dorvilus dans The Keys Company. Yon real estate company qui a fait qu'un content. Relais 954-865-5284 ou 954-675-1598. Ou à chercher yon triplex, duplex, yon bon condominium
townhouse, single family home, multi-unit apartment, luxury waterfront, ou même qui a des problèmes crédit, compagnie aider tout client travaille sous question crédit pour aider crédit score monter. Prenez un sondeur Vilus dans The Keys Company, headquarter localisé dans adresse 4301 North Federal Highway, Lighthouse Point, Florida. Téléphone 954-865-5284 ou 954-675-1598. Servi Broward Dade and Palm Beach Counties. C'est encore saison taxe? So, back is tax time. Greenback, back. Anessa, expérience pas suffit. Nouveau loi, régulation, yon mandé. Faut qu'yon maîtrise yo ak tac, tactique. Et puis appliquez yo ak tic-tac. À la seconde. Voilà pourquoi en 2013, Alex Tax Services a tout changé. C'est tax, tac, tactique. Et puis appliquez yo ak tic-tac. Et puis greenback. Potez dans Beyoutou. Au sinon de Last to Face Stops. Et puis l'argent là. La poule. Alex Tax Services, Chitana 840. Ici, Oakland Pub Boulevard. Suite 101-33-3333. Numéro de téléphone, c'est 954-934-3463. 954-934-3473. E-Collect. Fast Refund. Individuals. Corporations. Et au partnership, depuis c'est tax. Il est Alex. Mes amis, pas oublier. Anissa, expérience pas utile ou bah. Si ou par contre, nouveau loyau. C'est ça que fait en 2014. Alex Tax Services is the new tax. Tactique, et puis appliquez yo hack. Et puis bring back. And sure is that so. Tous les dimanches de 2h à 4h PM, vous êtes invités à suivre Vision Sport Magazine sur Vision FM. Vision FM. C'est un magazine où l'on fait une longue promenade sportive sur toutes les disciplines telles football, basketball, tennis, volleyball et autres. Vision Sport Magazine, c'est une randonnée sportive dans laquelle le commentaire, l'analyse, le décryptage et l'interaction avec l'auditoire sont effectués avec objectivité et équité par Wilfried Boutis et Jean-Mercier Hippolyte Ibolov. Vision Sport Magazine. Sport. À Univers Sport, le sport est en filigrane. Flash, actualité via Univers Sport. Flash, actualité via Univers Sport. Toutes les dernières infos sur Univers Sport. Suivez Univers Sport avec Wilfried Boutus. Mesdames et messieurs, nous de retour après Poslan. Pas oublier de suivre l'émission Paro, hein, qui c'est Univers Sport avec Zimpa Wilfried Boutis à l'antenne. C'est la radio Vision FM, 106.5 FM stéréo. Dans le point Vision FM, Haïti.com.net.org, le 832-999-1813. La famille Dovilis, Alex Enso.
Janine de toute sa radio, hein, et bonjour, bonsoir. Et dans la cour New York, radio modèle de Edzé Toussaint dans Valais, hein, et dans la cour Queens, Brooklyn, Long Island, radio Télénago de France Nago, dans la cour Pays d'Haïti lui-même, radio RVC 89, print 1 de Pierre Richard Jean-Jacques, dans la cour Saint-Marc, radio Lacaille de Ligue Finakis, Poterie, Précision FM de Jackson Prédestin, à Saint-Louis du Nord, Radio Réflexion Inter, à 93.7, de Directeur Nemchiout, Directeur Louben Joseph, et tout le monde des grands jours là, et vraiment là, qui vraiment là affecté, nous allons dire, pas Saint-Louis du Nord, les mêmes vraiment là, et qui avait un moment tragique, puisque il y a gagné. Adiyuna attaque en Saint-Louis du Nord, monsieur qui était joué dimanche là, en parlant de James Telford, monsieur lui-même, vraiment là, qui perdit la ville, qui l'autre individu lui-même, qui shootait monsieur, vraiment là, condamnation vraiment là, aller à la famille, James Telford et toute l'équipe Saint-Louis du Nord, lui-même, vraiment là, ce moment tragique qu'il y a pour monsieur là. Tout le monde zone environnante, mon Glacy, Cavalli, mon Gaspario, mon Genoio, et puis donc Zamio qui a pris des décollés de Ansa Follet, Berger, Bono, et Zami Ile de la Tortillo, nous tous salés. Et Zamio qui a suivi nous sur Haïti Best Radio de l'ingénieur d'Agri Saint-Pierre. Bonjour. Sapimon TV Plus, Vision Smile Magazine TV Network, Saint-Louis Dino TV. Nous comptons pour nous retrouver nous, Michelin Edley Moïse. Next Saint-Louis du Nord, vraiment voilà, et nous saluons pour les PAM. Haïti One, nous saluons Michelin Edley Moïse, et Dina Nana Wak, bonjour, toutes les amis là qui a suivi nous, et bien partout, nous saluons nous toutes, pas oublier, partager l'émission pour plus d'amis, pour les fatigues, vraiment capable de suivre l'émission qui fait, et Univers des Sports avec, je ne sais pas, Wolfried Boutis, à l'antenne. Et bon, c'est ça. Et nous allons parler très rapidement avec ça. Il concerne le championnat national de la première division. Côté noté gagné, week-end qui était écoulé. C'est 14e junior qui était arrivé jouer. Mais week-end qui a venu là, c'est pas donc dernière journée pour saison régulière là. Avant qu'il y ait entré dans ça, il concerne les playoffs. Dans le cadre de 14e journée, résultat qui était enregistré, mesdames et messieurs, nous avons gagné là et victoire de l'AS Mibalet au dépens de Baltimore. 3 goals à 0. Et qui, Wanamet, tombé devant Real Dicap, un goal à 0. Valencia de Léogane, Racing Club haïtien, 2 goals à 0 pour l'équipe Racing Club haïtien. Hein? Nous avons parlé de la victoire de l'association sportive Cavalier même qui bat à Kaye, un goal à 0. Cosmopolite, Don Bosco de Pétionville, 2 goals à 1 pour l'équipe Don Bosco. Petit Guave, ASCDS, 2 goals à 0. Fika même qui prend avantage devant l'équipe. Racing Joueur de Gonaïve là, un goal à 0. Et puis en déplacement, équipe AFC1 qui a imposé devant équipe Tempête là, les mêmes. On va faire de un goal à 0. Vous êtes en CDBR depuis Hollande, aux amis PAM, Koufoué PAM, nous saluons pour les PAM. Vous êtes en CDBR, ou en forme pour les santé première ou établi pour les PAM. Tout le monde en forme, vous êtes. Et nous saluons pour les PAM. Et c'est ça, vous êtes en CDBR, c'est Koufoué nous. Monsieur les mêmes vraiment là, c'est une confrère qui est vraiment intéressant. Il y a un peu de bagage à côté là. Et nous avons un staff solide, nous avons Roosevelt Saint-Hubert. Et puis donc, depuis Orlando, nous avons Kosami Belé qui est très occupé pour le moment. Du côté de Jacksonville, nous avons tout profité de Saliel. Et puis donc, nous avons Lee Africa de Jacksonville. Kosa Selfog qui est en Floride maintenant. Et monsieur qui était sorti en Haïti et les gens pour aller en Argentine. Pour ça, c'est le fort. N'a pas profité. Et ça, le coach, c'est le fort. Vraiment là. Qui a suivi nous quelque part. Et puis, donc, nous avons confronté nous et au chéri depuis Montréal, Canada.
Wilkie Tellisman et nous gagnons la coach Paul Moïse depuis Belgique et Hippolyte Jean Mercier et confrère Pam nous saluons Hippo et tout l'autre confrère nous vraiment là qui toujours participer dans l'émission et nous tous saluons bon et là n'a regardé là championnat national là et fait 14e journée hein bon tu sais on connaît Robert Saint-Yves faut que nous et bah monsieur shout out là et monsieur connecté vraiment là et nous saluons Robert Saint-Yves nego naïve nego naïve nous saluons Hippo la Pam bon c'est ça nego naïve a chuté pied là il n'a pas chuté pied ici là et t'es une rencontre et tempête avec Racing Jean de Gonaïve là lui-même équipe équipe tempête là lui-même yo bat 3 points là bat 3 points là puisque c'est Gonaïve lui-même qui t'a recevoir yo t'a recevoir et puis t'es un déblosage vraiment là n'a pas mon blanc bon monsieur coach Afopio là yo décidé bah gain de victoire à équipe tempête là bon ça veut dire la tempête tapet tout gagne dans playoff là c'est ça que nous pas pour nous classement là demain les amis au capable tout continuer et partager live là pour plus amis pour plus fatigue vraiment capable suivre émission oui les n'a regardé là classement que nous gagne sous dossier nous là équipe AFA lui même qui en tête avec 31 points AF Mbale 26 points ou gagne équipe équipe Mibala qui est 26 points, Domboso de Petionville avant Domboso, tempête, côté tempête est là, tempête, bon, tempête qui est 21 là, tempête passée à 24 points, ou Zéa Saint-Hubert, tempête passée à 24 points, ou bien Domboso lui-même qui en 4e, Domboso a progressé en 4e position là avec 21, et puis donc Real Dicap qui est en 5e avec 20, Fika en 6e position 19 points, Fika avec Baltimore là, il y a bataille puis ouais qui est qui va arriver faire playoff là, Fika lui-même qui en 6e position Edlin. Edel Fika qui en 6e avec 19 points, et Baltimore 19 qui en 7e, Cavalli et Wanamet Valencia et Kisao à 18 points côté au gagner là équipe Petit Guave Akaye à 16 points, Racing Club haïtien même qui en 13e position avec un total de 15 points. Cosmopolite qui a commencé très bien, mais Ouzel Noël là, Cosmopolite lui-même il est vraiment baissé et effectivement c'est là réduit Cosmopolite lui-même qui est en 14e position avec 14 points, c'est ça. Et si je dis qu'on arrive 13 points et puis nous gagnons ASDS qui gagne 11 points. Pas oublier, c'est 6 équipes qui a gagné là, 6 équipes qui a gagné pour qualifier pour les playoffs, côté deux premières équipes là, a gagné pour opposer, à savoir Association Sportive Capraz, AS Mbale, puis c'est là, Domboso pas capable rejoindre, Domboso ni tempête pas capable, concernant Domboso qui pas capable rejoindre, qui pas capable rejoindre équipe, pas capable rejoindre équipe AS Mbale, hein. L'en a gardé là, Wolby Valsen, nous salons Wolby Valsen, l'en a gardé là, bon. AS Mbale avec tempête. Si en cas Mbale lui-même t'a perdu dans la dernière junior là. En dernier junior, Mbale t'a perdu. C'est équipe et puis ou t'a joué une victoire de l'équipe tempête là. Tempête lui-même qui est capable de finir en deuxième position. Nous capable là. Et lui-même, bataille là, lui-même est toujours là. C'est ça. Et bon, nous parlons pour nous suivre, pour nous connaître comment ça parler lui-même. Tout dernier junior lui-même a pas le gagné pour jouer. Mesdames et messieurs, n'a pas essayé là. Si nous sommes capables de venir avec dernier junior lui-même. Côté week-end qui a venu là, côté c'est dernier junior qui va le gagner pour jouer. Et là, ça nous parle connaître qui équipe va vraiment qualifié pour les playoffs. Mesdames et messieurs, n'a pas des amis capables toujours continuer de partager la vlan. Pour plus d'amis, pour plus fatigue, vraiment capable de suivre l'émission. C'est ça. Et bonjour à Roselyne. Bonjour. C'est ça. Bon, allez vite pour nous venir avec le 6e junior là, mesdames et messieurs. Nous allons venir avec 6e junior du championnat national
de la première division et qu'on soit capable d'avoir une idée vraiment là comment ça lui-même lui pralier pour 6e junior, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, très rapidement, et dans le cadre de 15e journée, nous parlons de la Real Dicap AS Imbalet. C'est une rencontre qui parle vraiment intéressant. Et Real Dicap AS Imbalet, AS Imbalet, les mêmes gens qui ont 26 points. Et côté de l'équipe Real Dicap, lui-même qui a 20 points. Real Dicap a besoin pour le faire victoire, pour l'assurer là, pour ça, il concerne les playoffs. Et puis, nous avons la Racing Club haïtien qui a joué avec l'équipe Tapetlan. Racing Tour qui a besoin pour le faire victoire, pour ne pas descendre dans la division inférieure, malgré que c'est une saison d'ouverture là. Mais en quelque sorte, il faut qu'on fasse un bon sorti en termes de premier tour là. Et puis, dans le deuxième tour là, pour capable assurer là, pour pas descendre dans la division inférieure. Et nous avons gagné la Racing Junior de Gonaï Valencia de Léogane. AFCDS Cosmopolite. AFCDS Cosmopolite. Et nous avons la équipe qui est là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est ça. Lidobert, Beauchamp, depuis Jean-Abel, nous sommes à l'eau pour les nous avons la équipe AFCDS Cosmopolite. Baltimore, qui a pour jouer avec l'équipe Petit Guavelin. Don Bosco de Pétionville, Wanamet, Cavalli, équipe FICA, et puis Nabal Gagné, équipe ASA lui-même, qui va gagner pour jouer avec l'équipe Akaye. Akaye lui-même, qui se route là, pour retourner côté TIA là, mais nous parlons de retourner pour nous suivre, pour nous connaître comment ça va aller, pour ça qui concerne le championnat de deuxième division lui-même, qui a fait petit bonhomme de Chemeli. Nous prétendons pour nous suivre, pour nous connaître comment ça va aller. Puis c'est ce week-end là qui a venu là, côté pour le gagner là, pour le gagner, 15e journée là, qui va le gagner pour jouer. Et les ça, nous va connaître qui équipe, qui va le gagner là, pour jouer dans la division inférieure. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, très rapidement, nous pourrons aller dans ça qui concerne la deuxième division. Deuxième division là, il y a une deuxième division lui-même. Nous pourrons venir là avec quelques résultats qui étaient enregistrés dans le cadre de la journée qui était joué week-end qui était écoulé. Hein, et notamment là dans la zone nord lui-même. Et c'est ça, dans la zone nord. Et nous avons là, je nomme ça là. Et c'est ça. Bon, Beauchamp, vous un pilote là, il va les femmes. C'est ça, Beauchamp, vous un pilote. Et nous gagnons là, résultat qui est tombé dans le cadre de. Dans le cadre de. Journée qui était joué week-end qui était écoulé là. Équipe qui est dans le site 1 lui-même, nous a commencé avec site 1 lui-même. Site 1, c'est là. Et nous allons commencer avec site 1 pour nous venir avec résultat. Vraiment là qui était effectué non un week-end qui était écoulé hein, mesdames et messieurs. Bon nous dans site 1 lui-même nous avons gagné la équipe Exafoot yo même qui était fait machine avec Violette Francinago. Violette là qui toujours à Kimberley là malgré le fait machine Exafoot Violette yon gol partout. Et puis nous avons Aigle Noir du Bel Air Aigle Noir du Bel Air yo même qui était imposé devant l'équipe Lonceau de Peignan. On a fait de 3 goals à 0. Équipe PNH amateur de Cité Soleil, 2 goals à 1 pour l'équipe PNH.
Ou la de sous ce match là. Ou la de la Gonave, 2 goals à 0 pour l'équipe. Ou la de la Gonave là. Et Club Sportif Saint-Louis, vraiment là. Et qui a comporté très bien tout. Mais nous gagnons là. Et deux demain, si Dieu veut, nous avons gagné l'équipe ISK Fouillon même. Qui a pris pour jouer avec Amateur dans site de 1. Et site de 1 lui-même. Et site de 1 lui-même, côté nous avons gagné là. Et rencontre qui a bien pour jouer dans site de 1. Et notamment équipe et rencontre qui était joué côté nous gagné Juventus là Juventus de Caï qui était fait une importante victoire sur l'équipe Gémian et sur l'équipe Gémian on a fait de 5 goals à 0 mesdames et messieurs accolade éclair de Petit Grave un goal à 0 Inter de Grave AGG un goal partout Akin bat équipe América équipe Akin là il faut les compris très bien oui là. Et yo bat America yon gol a 0. Pour sali, Winchester de Miwagan yon gol a 0. Et demain si j'en abgen Akola de Fundenek, Ouagan de Kai nan zone nord. Et en lui-même, éclair de Gonaïve Athlétique yon gol partout. Lembe, Port de Paix yon gol partout. Association de Saint-Louis du Nord. Saint-Louis du Nord yon-même qui te bat équipe à Saint-Louis du Nord. PNH est présent. Saint-Louis du Nord était présent. Vraiment là, n'a pas que son petit frère. Et c'était une rencontre qui était vraiment intéressante, une rencontre qui était vraiment très prolifique en termes de buts. 5 goals démarqués dans la rencontre là. C'est lui même qui était arrivé battre. 3 goals à 2. Rencontre ça lui-même côté nous avons gagné. Regretter mémoire de James Telford. C'est lui-même qui était joué dans la première mi-temps. En compte si là, on est capable de comprendre. La situation lui-même est vraiment compliquée. James Telford lui-même, c'est un joueur que nous pas oublié. Et très jeune, qui a pile l'avenir devant. Mais lui-même, dommage, mais c'est lui-même qui perdit la ville. Faux Liberté, Chansol, Zéo Bibatou. Accolade de Gomane, Racing Gomane. On sait lui-même t'es reporté puisque t'es rentré impraticable. Et dans nos deux ans, lui-même, Panthé Noir, Triomphe, Zéo Bibatou. Vision des Hinches, Verrette, Yongol A0. Ponsonde, lui-même qui te bat équipe Acadéen, Yongol A0. AS Dessalines, Boel, Yongol A0 pour équipe. Dessalinan et puis nous avons gagné la Scarobas, US Papay, comme ça lui-même vraiment là qui est terminé, maintenant le. Mais nous sommes capables là et pour classement lui-même, mais classement deuxième division lui-même, très rapidement, n'a pas allé avec elle. Et pour nous dire que Violette lui-même dans site 1 qui est en tête, Violette lui-même qui est en tête avec 17 points plus 10, Exafoot 15 points plus 3, Aigle Noir 14 points plus 3. Et puis donc en quatrième position c'est équipe Classement de Saint-Louis à 13 points. Victoria de Jacmel. Victoria de Jacmel lui-même. Victoria de Jacmel lui-même qui a à 13 points qui est en cinquième position. Okay, Rolando de Lagonave 13. En 7ème, US Cafou 7 points. PNH 6 points. Amateur 5 points. Ou bien Rolando sous ce match-là avec 4 points. Et puis l'ancien de Peignier lui-même, qui est bon dernier. Avec de petits points, mesdames et messieurs, dans le site DA lui-même, équipe Akin qui en tête 18 points, éclair de Petit Grave 16 points, Juventus 11, América avec un total de 10 points, AGG 10 points, Jérémy, lui-même, Jérémy lui-même avec 10 points, et puis en 7ème position, équipe Inter, de Grand Grave à 8 points, Akola de Fondenègue 8 points, Wagan de Kais 7 points, et puis le Guignan, Ranger de Mawagan pour Sali. Équipe Sayo à 6 points. Et ça, c'est pour aussi 2 ans. Et puis, donc, pour nous et lui-même, c'est lui du Nord lui-même qui passe en tête avec 13 points pour l'histoire. Directeur Louben Joseph, Johnson Ruffin. Et monsieur, bon travail. C'est ça. Directeur Nemchiout, nous saluons directeur Nemchiout de la radio Réflexion Inter 93.7. Henri Alexandre, numéro 104, dans l'Alboria. Mesdames et messieurs, bibliothèque. Là. C'est ça. Et c'est lui qui est en tête avec 13 points. Ou bien Port de Paix qui est en deuxième position avec 11 points plus 6. Racine Gromane 11 points plus 3. Chansol 10 points. Fort Liberté qui est en cinquième avec 9 points. Limbé 9 points. Athlétique c'est 8 points. Accolade de Gromane 7 points. Éclair Dagonaïve 7 points. Et puis nous gagnons Trou du Nord lui-même qui est bon dernier avec un total de. Et 7 points, on a quitté Nord 1 lui-même pour une point direction, pour une point direction, c'est ça,
Et c'est ça pour nous prendre direction direction Nord-Déan, et puisque équipe triomphant c'est eux-mêmes qui occupent tel classement avec 14 points. AS Dessalines 13 points, Ponsondé à 12 points, et puis en 4e position, c'est qui Vision des Champs lui-même qui avec 12 points. La Scarabas est 10 points, Boel 8 points, et puis en 7e position, c'est qui Verette avec Yotola de 8 points, USA 7 points, Acadien 6 points, en Panthénois 5 points, et puis donc nous gagnons US Papay qui est en dernière position, lui-même avec 4 points. Mesdames et messieurs, dans ça qui concerne le championnat, deuxième division, et n'a prêté pour nous tendre puisque le week-end ça lui-même a gagné une rencontre qui a bien pour jouer. Et si nous avons fait un coup d'œil dans nos et en lui-même, pour nous saluer du Nord là, et Madame Saint-Gis, bonjour. Équipe Saint-Louis du Nord lui-même a gagné pour jouer là. Il y a bien pu recevoir équipe éclair des Gonaïves. Il y a bien tout le monde qui a vu avec Chansol. Faux de Père, Faux Liberté, se rencontre la prête vraiment là, qui va vraiment intéressant. Athletic FC et éclair. À part, on mettait éclair deux fois, non? C'est ça, et Racine Gomon, l'imbé. Et nous avons là, Saint-Louis Nord lui-même qui a bien pu jouer avec éclair, c'est ça. Et en quelque sorte, c'est comme ça lui-même, ça y est. Donc on est que 18 mai, et nous sommes capables là. C'est là que premier tour lui-même pour gagner pour bout et puis c'est Ridou Vertia lui-même qui a commencé là qui a commencé 18 mars il y a bien pour bout il y a bien pour fin c'est Ridou Vertia lui-même il y a bien pour bout 13 mai qui a venu là c'est ça et 13 mai qui a venu là saison et après dans deux c'est deux week-ends là qui était là puisque nous gagnons là et 8e juin hein, quelqu'un pour jouer week-end là, mesdames et messieurs, Pablo Wassiv et Monsieur Paouan, c'est Univers de Sport avec Zempa ou le foot boutiste à l'antenne. On a profité de saler Nelki, Manaville, qui branchait depuis Chili, et Mito Chal, depuis Los Angeles, Californie. Bonjour, Mito Chal. C'est ça, pas oublier, partager. Et live là pour plus d'amis, pour plus fatigue, vraiment capable de suivre l'émission, mesdames et messieurs. Et bonjour à Tidouette Lui depuis New York. Tidouette Lui, bois les pâmes. Nous saluons depuis Brooklyn. Et Tidouette Lui, nous saluons bois les pâmes. Et c'est ça. Et nous saluons Tidouette Lui, Zamim. C'est ça. Ousmel Blaise depuis Saint-Mike. Bonjour. Oui, c'est ça, mesdames et messieurs, on va suivre l'émission par un univers de sport avec Zempa Wolfwood Boutissa à l'antenne. Et c'est ça, nous avons plus d'amis là qui envahissent nous là et nous saluons tous les amis là. Bonjour, Madame Saint-Gis, bonjour. Nelki, en forme, amis par main. Nous poursuivons avec l'émission très rapidement, mesdames et messieurs. Et nous faisons un coup d'œil au niveau de la 3e division et nous avançons là. Et c'est ça. Au niveau de la 3e division, quel championnat qui a joué là, c'est ça. Yvon Fébril, bonjour mon ami, c'est ça, depuis Chili qui a suivi nous là. Yvon Fébril, bonjour mon frère, c'est ça. Nous prenons direction de 3e division là, puisque 3e division
qui a fait dans deux chemins là. Et surtout, nous gagnons là. Et c'est ça, surtout rencontre qui t'a joué. Et c'est ça, On prend une légère pause, pour retourner sur le site, mesdames et messieurs. Une petite légère pause pour dans moins de 30 à 40 secondes, mesdames et messieurs, nous parlons pour nous, championnat, troisième division, lui-même qui a fait petit bon de chemin, et puis nous parlons tout pour nous parler de Real Madrid là, voilà, qui a avancé, mesdames et messieurs, dans la compétition qui s'est concernée, Ligue des Champions. Avec à l'antenne, c'est ça, et nous parlons là pour nous gagner Adler Paul. Bonjour, mon ami, depuis Florida, et nous saluons bon de Pam Adler Paul. Bonjour, et c'est ça, Frédéric Kempes, c'est ça, et cousin Panou, l'ingénieur, Frédéric Kempes, bon de Pam, et nous saluons, nous parlons là pour nous, pour nous. Et championnat et troisième division, mais là, on a pas le bon coup de pied Orlando là pour aller recevoir Zami Pano là, c'est ça, il y a pas des amis, ils sont capables de continuer, partager live là pour plus d'amis, pour plus fatigue, vraiment capable de suivre l'émission, c'est là qui fait Univers de Sport, Univers de Sport avec Zempa World Foot Boutique à l'antenne, il y a pas des amis, ils sont capables de toujours continuer, partager live là pour plus d'amis, pour plus fatigue, vraiment capable de suivre l'émission, c'est là. Avant que nous allions, c'est ça, et on prend direction de Orlando. On a pris direction Orlando pour nous recevoir Zami Pano et Confort Pano. Vous êtes Saint-Hubert, bonhomme. Et nous comptons pour nous retrouver dans l'espace Univers de Sport, mon ami. Bonjour, Boutrice. Bonjour à tous les amis qui écoutent la radio à ce moment-là, surtout aux amis Univers Sport. Ce n'est pas une habitude pour me participer dans l'Univers Sport, mais. C'est surtout dans le magazine chaque dimanche, mais nous faisons un coup de passé. Et matin, hein, pour nous battre bouchon pendant quelques minutes, et dans ce qui concerne le sport, pendant qu'on a profité de saluer tous les amis qui branchent Facebook, yo, et surtout les amis nous, Roosevelt, Oka, Nexemac, Cazolignon, bon bagage, et puis Dagison. Et nous saluons Dagison, qui a fait un gros travail sur net là. Nous, c'est ainsi, monsieur, de gagner quelques difficultés avec le monde qui a pris pot, monsieur! En tout cas, je pense que nous allons parler là brièvement parce que vous connaissez. Nous avons Bab dans l'air là. Ouais, c'est ça. Là, même pour petit break, nous allons parler. Mais c'est ça. Et très rapidement, vous avez là avant que nous allons parler. Il faut parler de Ligue des Champions, mais troisième division là, j'en te dis, Zamio là, on connaît que nous avons avancé très rapidement. Et troisième division, côté rencontre qui était joué, mais nous sommes capables là. Et si tout le monde aura les mêmes limonade, c'est la première division, oui, Ousbel, quand il y a la, c'est troisième division, la limonade, la relève, 3 goals, la relève des barons, 3-0, nous gagnons AS Bois et de Lens, Volcan, 0 bi partout, vous même qui soutenez dans Noir, Ousbel, vous ça va plus bien que moi, Jupiter de Pomago, Fika, il était battu Fika, 3-0, ça c'est au niveau de la troisième division, vous gagnez la AS Pomago, AS 0 bi partout, classement lui-même, dans le groupe A, et AS Bois de Lens, Saint-Prin, Limonade 4 points, un vétéran handicap 4 points, Volcan 2 points, et puis la relève de Baron qui a 0 points. Et puis dans le classement B1, Real Hope B qui a 6 points, AS Pomago Saint-Prin, Jupiter de Pomago 3 points, ou bien AS B qui a un point, ou bien Fika B qui a un point. Nous avons une équipe et papier, et partout là. FC Nouvelle Vision à DSL. Dans le 4e junior, dans le nord-ouest, nous sommes là, qu'on y a là, mesdames et messieurs. Ah, c'est dans le département, nous là, c'est ça. Et côté eux-mêmes, FC Nouvelle Vision, bat Saint-Louis du Nord, ADSL, 2 goals à 0. Pepsi de Saint-Louis du Nord, équipe Lacaïno, super classique, 1 goal partout. Ansa Foller,
AS Charles Zobi partout classement Pepsi de Saint-Louis en tête avec Ukraine à sa folle Ukraine AS Charles 7 points ou gain et ADSL B à 6 points ou gain FC Nouvelle Vision à 6 points ou gain super classique qui ont gain points dans zone de maté 3e journée côté nous te gain là Saint-Yves yo même qui te fait match là avec EFM Zobi partout et côté nous te gain là Leg AS Squadre Bouquet Yon gol patou, Athletic Cabaret, FC Cabaret, 2 gol à 0, professionnel de Sarate, Mouri, 0 bi patou, classement lui-même, Leg Az Saint-Prin au Guinéen, Athletic, Athletic lui-même, qui est Cabaret qui a en deuxième avec Saint-Prin au Guinéen, professionnel de Sarate avec Saint-Prin, Mouri Saint-Prin, et puis Guinéen AS Quadé Bouquet à 3 points, et puis nous Guinéen là, Cabaret 3 points. Et on a Saint-Yves c'est Gonaï, oui, là, équipe ça est là. Et non, c'est Akaye, là, il y a Akaye Wilki, Télisman. On a là, Global, ça c'est pour Goubé, Global, Sake, Cosmopolite, Yongola, c'est au Cosmopolite, bat. On a Racing Club Haïtien, eux-mêmes, qui débat Violette 2-1. Et Club Saint-Louis, Béan, bat, TF Machine avec Domboso, Yongol partout. Domboso en tête, Saint-Prin, Racine. Racing Club Haïtien, c'est point, on a Violette 4 points. Et puis donc, nous avons la classe sportive Saint-Louis, Béa qui est avec 4 points. Et puis Cosmopolite qui est en 7e position. Et puis zone Atibonite lui-même, match en retard. Fusine de Saint-Michel, Colo-Colo, Edenry, 3 goals à 1. Et un petit travail n'a fait la matinée là, et Junior là. Ça dépend de qui le monde a obtenu là. Et Ouzuel, n'a pas avec classe en groupe, ça. Fusine en tête 3 points. Ou bien Baromètre, Baratonnerre avec 3 points, et puis ou bien Colo Colo qui a 0 points. Et nous avons la Étoile 2000 à 3 points, Lance en Flamme 3 points, et Valencia de Dessalines avec 0 points. Et puis dans Nord-Est, bon, nous soutenons non, là, nous vu retourner, oui, là, et nous avons gagné en Nord. Guanamètre, Jupiter, Tébadiongola, 0 classement, Vapo qui en tête, ça y est la Caro Ouzel, Vapo qui gagne 7 points. Un classique 9 points, ou bien Galaxy qui a 6 points. Galaxy c'est Wanamet Ouzel, puis c'est nous dans Nord-Est, c'est ça. Lance qui a 5 points, ou bien Jupiter 4 points, ou bien Wanamet FC qui a 1 point, ou bien les Stars qui a 1 point. Et Ouzel, vraiment là, nous sommes un gros parcours là. C'est ça, Ouzel. Nous sommes dans la première division, deuxième division, troisième division. On a profité ça, les cousins. Jenny, bonjour Jenny. Jenny, Annette, bonjour. Qui a suivi l'émission, quelque part. Ouzel, vraiment là, nous sommes fait parcours au niveau pays d'Haïti lui-même. Première, deuxième et troisième division. Et surtout, nous avons joué attaquant Saint-Louis du Nord lui-même, qui est Jim Telfort. Monsieur lui-même qui passait de la vie à Trépas. Hier, nous avons un monsieur qui fise monsieur. Vraiment là, c'est Gros Lobé qui gagne. Wow. Non, la cour Saint-Louis du Nord, Ouzel, Saint-Hubert. C'est vraiment dommage de nouvelles ça on attend de eux, c'est vraiment vraiment dommage et un jeune garçon qui a perdu la ville sans que c'est pas l'heure qui corrige Mosé dit ça parce que c'est un accident ou bien c'est un acte criminel et c'est pas quoi c'est comme ça bon Dieu t'a voulu que jeune garçon ça jeune footballeur ça qui t'a bail mon plaisir nous vraiment baissé bien bas pour ta famille et nous souhaiter que bon Dieu va garder n'amni et n'amni va reposer en paix dans ciel là. Bon, et c'est ça, et vraiment, son coup dit qu'il est là, et c'est tout. Mais c'était jeudi dimanche là, et dans la première mi-temps, en contre Saint-Louis, nous là, et puis donc, il est même, mais pour moi, c'est un gentil garçon qui a pile l'avenir vraiment là. Bon, c'est comme ça, ça y est, il y a des bagailles que nous ne sommes pas capables de changer là, mais il est vraiment triste, Ouzuel, les gens de. Que nous souhaitons, monsieur, agent de justice, que et justice et haïtienne va, jeune garçon, sa famille, il va aux justice. Il n'y a aucun des criminels là et puis il y a sanctionné les criminels là et puis... Bon, selon l'information que nous... Que nous avons demandé. Ouzel, selon l'information que nous recevons là, les criminels ça lui-même, monsieur tout quand il a perdu la vie tout là, monsieur te couru là, aller dans zone Bono, et nous, là, ça fait un pour un, dent pour dent, Ouzel, là, vraiment là. Dent pour dent. Ça, vraiment... C'était que c'est la justice qui débat, non, justice voilà. Plus. Et c'est pas un monde qui t'a mis sous conscience de crime. Criminel ça habitué fait certainement parce que s'il pas habitué fait le marche un bon matin il t'a levé il va voir le jeune garçon ça peut être un professionnel lié dans affaire crime
et l'aime professionnel qui donc il fait la plusieurs reprises nous vraiment regrette c'est un autre monde qui a tué le tout que c'est justice qui te et permettre mettre main sur lui et puis pour le payer pour ça le fait et pour ça tout parce que criminel là des fois faut quitter le vivre et pour vraiment passer périté s'il t'a supposé passer hein, parce que pour le connaître ou pas de pour faire mon mal. Ouais ouais c'est ça c'est ça. Et n'a pas eu de ça les Watney prophète depuis Nassau Bahamas Mamoun bonjour qui a suivi nous depuis Bahamas bon très rapidement et nous avons la sélection de moins de 19 ans là qui a dirigé par Jean-Claude Josapha monsieur là pas gain là puis participer dans un tournoi qui a fait par les Guadeloupéens là les mêmes Rosel Saint-Hubert et Jean-Claude Josapha les mêmes vraiment là qui a travaillé avec sélection c'est là Rosel Saint-Hubert. C'est toujours très bien et les nous avons plusieurs sélections jeunes qui en activité ni bon côté mesdames ni bon côté messieurs. C'est très bien, c'est vraiment ça que et qui est capable de permettre nous avancer dans la compétition avec l'autre monde, dans frotter ensemble avec l'autre équipe dans la zone non ou bien dans, et qui en dehors de zone pas nous. Essentiellement, c'est faire jeunes jouer et parce que tout autant ou à jouer, ou à jouer plus expérience et dans plus expérience ou bien plus fort tout. Et je pense que c'est vraiment intéressant l'entendre des nouvelles ça que je souhaite que c'est pas un nouvel côté c'est seulement un match là ou bien tout noir ça jouer mais sélection ça capable trembler et pour nous jouer plusieurs ou bien chaque mois capable jouer un petit tournoi comme ça ou bien chaque 3 mois chaque 2 mois il est vraiment intéressant parce que faut nous permettre jeunes nous yo faut ensemble avec l'autre jeune et depuis dans la ça et bien là revenir dans seigneur pour pas rien pas écarté rien pas égaré parce que habiter faire voyage yo habiter faut ensemble avec l'autre monde dans zone ou bien en dehors de zone là les ça vient progresser et marge de progression les vient augmenter avec une vitesse assez intéressante. Oui, c'est ça côté individuel là et au convoqué là Jean-Claude Josapha lui-même, il convoqué côté sélection lui-même. Vraiment là et qui a gagné là pour quitter pays d'Haïti et souper là et c'est avec 6 équipes lui-même. Vraiment là compétition ça lui-même, il pas rien pour faire et nous gagnons là Guadeloupe, Martinique, Costa Rica, Guyane française et puis Haïti et Trinidad et Tobago. Rosel Saint-Hubert nous souhaitait que Jean Dian là et c'est pas un grand match, nous souhaitons un grand match après ça là, tout le monde vient chita et laisse ça là, n'a pas manqué progresser. Benson Pachout, nous saluons depuis Miami le même qui a suivi nous là, Benson, c'est ça. Bon, de toute façon là, et n'a prétendu pour nous suivre Rosel Saint-Hubert puisque a fait. Alors. Et c'est vraiment un grand match. Après grand match, là, tout le monde retourne là, car il est là. Il faut que tu aies une compétition. Alors, je vous oui, 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 Rosel. Vous m'avez continué, Rosel. Rosel Saint-Hubert. Il semble qu'il a nos pères. Voilà, des pères de France, c'est Boutam, des pères de France, c'est Boutam qu'on a Rosel encore. Oui, c'est ça. Non, Jacques Ndabdila, là, nous souhaitons que ce n'est pas pour un grand match, là, là que messieurs, même mieux joué. Après ça, tout le monde vient chita, mais c'est une compétition. Absolument, absolument. Oui, c'est ça. Et bon, nous allons dire ce passé pour pouvoir faire un petit bat pour dire ça. Concernant Haïti lui-même, qui parle bien là pour jouer avec, avec Argentine le 29 mai qui a venu là, Rosel Saint-Hubert. Il y a un gros coup de filet pour côté monsieur Fédération de football, yo, encore une fois, bravo. Et par contre, on est ici concentré ce jeune, même si nous avons information que c'est Nicaragua qui a supposé jouer ensemble avec la sélection Argentine. Là. Mais vu que tu gagné et problème dans le pays Nicaragua, problème politique, et bien, et monsieur Parisque, il a rapidement remplacé et Nicaragua par Haïti. Mais quand même, c'est un gros coup de fil pour côté Fédération française de football, négocier match football ça, parce que jouer quand même contre une plus prestigieuse sélection et national dans affaires football et c'est quand même important, c'est quand même intéressant, même s'il était un match amical, c'est un match côté sélectionné Argentine dans le même niveau pour aller essayer et mettre un système en place, essayer et un système ou bien plusieurs bah, il va essayer de tenter. Il faut que les joueurs adversaires qui paraissent assez faibles pour lui pour être capable de tenter faire parce que il y a quelques jours de mondial là, mais quand même, c'est pas l'union match pour nous-mêmes nous sortir tête pas. Nous-mêmes, Jean-Donald Guerrier était sorti tête pas qui jouait nos contrats qui permettent que la vive est assez à l'aise aujourd'hui grâce à football. Et bien, il y a plusieurs jeunes là, souhaitaient que vous sortiez tête pas parce qu'il y a un pile projecteur qui sous équipe argentine parce que c'est une plus grosse sélection qui gagne dans le monde là. Leur argent facile, il faut qu'on soit capable de tirer sonnette là pour faire sentir présence sous.
c'est pas seulement tu envie frotter ensemble avec joueur mais pour montrer que ou gain talent. Par contre, qui gens au parlement de sélection, est-ce que c'est une sélection qui a une majorité de joueurs qui a joué en Haïti? Est-ce que c'est au cas mixé? Est-ce que c'est un joueur qui a joué, c'est ça qui a joué à l'étranger? Nous, par contre, pour qu'on ait une idée de ça, même si nous connaissons que y a une liste au milieu de yon, qui gagne environ une trentaine de joueurs et qui a joué en Haïti. Nous, par contre, combien de joueurs qui ont mais essentiellement, je souhaite que chaque Haïtien qui a une chance souterrain, eh bien, vous pouvez, parce que c'est une opportunité pour vous montrer à travers le monde que vous êtes capable, pas seulement regarder Messi, et, ou bien et admirer Messi, mais quand même, c'est jouer par l'amour, par l'intelligence ou faire intelligence au travail, pour être capable de tirer l'opportunité. Ça, parce que la vie est toujours offrir une opportunité, c'est nous pour qu'il y ait l'opportunité à l'offrir. Nous souhaitons que les jeunes joueurs, c'est le premier aspect que nous gardons là-dedans. Et puis, peut-être capable d'un aspect économique. Là, on ne combien comme il y a une fédération haïtienne de football. Non, ça lui-même, ça lui-même, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Non, on ne nous pas capable de prendre. Non, parce que ça, il y a pas beaucoup de détails. C'est un aspect que nous capable de toucher tout. Non, vous connaissez. C'est pas seulement. Vous connaissez. Parce que c'est pas un partenaire. Et nous seulement, je veux marcher à nous aider à nous préparer. Ou bien, nous seulement, nous pensons que bon négociation. Est-ce que c'est ce qui arrive seulement au banon? Est-ce que après, bon, vous connaissez, nous pas connaissons. Vous êtes, vous connaissez. Quand le président fait la vie au tunnel là, Junior Léger, bonjour, Junior Léger, c'est ça. Bon, et le président va dire qu'il faut qu'il paye hôtel, il faut qu'il paye avion, il faut qu'il paye ceci, pour payer M'Negio, après ça, à Paris encore. Vous connaissez. Non, c'est pas ça me parler de négociation, non, pas qu'on est négociation, a bien ça, tout ça dans négociation, a bien aspect financier, tout. Nous pas regarder seulement aspect sportif, là, mais faut nous garder aspect financier, quand même, à gagner. Parce que ça a un coût, fait sélection haïtienne à jouer ensemble avec sélection argentine de football. Qu'on a aligné un coût, mais coût, ça, c'est combien que nous négocions ensemble avec eux. Est-ce que les profitables pour nous, économiquement, ou du moins c'est seulement visibilité sportive à chercher. C'est ensemble de questions qui légitiment une pensée que nous sommes capables de poser. Malheureusement, je m'attends là, nous pas une réponse, mais il faut que nous jouions une réponse quand même avant matin pour nous connaître, parce que nous parlons seulement nous garder l'aspect sportif là. Donc, ça fait que nous jouons l'aspect sportif là, c'est vraiment un gros coup de filet, c'est un gros poisson, c'est de la chaîne de football, lié à l'IVMC et Messoudi là. Mais dans la vie, chaque bagaille qu'on fait, il y a plusieurs angles qu'on est capable de garder. Même si vous regardez plusieurs angles dans Massa, mais au premier côté, nous sommes très très bons bagailles. C'est vraiment intéressant. Massa, c'est possibilité pour jeunes joueurs nous bien jouer dans la sélection nationale, faire tête sortie à partir de Massa. Mais deuxième aspect, tout côté regarder moi-même, regarder côté financier. Et qui ça va prendre? Est-ce que c'est bénéfique pour nous? Est-ce que c'est pas bénéfique pour nous? Économiquement. Qui s'en a tiré là-dedans, il faut aller chercher comme ça. Et je pense que c'est le job nous, en tant que journaliste, pour aller chercher comme ça. Même si monsieur parle de nous, mais on connaît à travers le monde aujourd'hui, son partenaire, et tout le monde, depuis bien information, depuis bien faire recherche, ou tu as supposé qu'à jouer un minimum d'informations de combien ça coûte à l'agence, ou bien combien ça coûte à Haïti pour Maxa. Merci ça. Et on a proposé ça le directeur Louben Joseph de la Radio Réflexion. Directeur Nemchut, monsieur, bon travail. Et Louben Joseph, vraiment là, qui a fait un travail impeccable sur Saint-Louis du Nord TV. Bon, et nous gagnons là tout, on profite et saluer et jeune homme ça là, Tiwili Desimis, qui est partagé live là, ou bien Savni Meris, merci bien, bonne part, Mito Charles, et nous gagnons pile bazar vraiment là, qui a motivé Mounio là, puis aussi émission Yvon Févril, pile l'autre ami lui-même vraiment là, qui essayait de partager live là pour plus amis vraiment là pour plus fatigue capable de suivre émission ainsi là qui c'est Univers des Sports Freddy Saint-Ilis nous saluons bon départ mais Donald Calix nous saluons Donald nous battons de nom Donald Calix depuis Upstate de New York nous saluons Donald Calix. Et nous gagnons là, pile l'autre ami là, vraiment là, qui connecté. N'a pas des amis capables toujours continuer à partager live là pour plus d'amis, pour plus fatigue, vraiment, capable suivre émission qui c'est Univers des Sports. De toute façon, on a prêté pour nous tendre Ouzel Saint-Hubert concernant de rencontre Haïti à lui-même avec Argentine, mais nous souhaitons que
et je souhaite que le dirigeant là, Liban, nous pas jouer avec Argentine. Mais qui ça que n'a fait tout pour nous, c'est pas seulement pour inviter nous, côté nous-mêmes, nous capables de participer dans un bagage officiel pour nous représenter Haïti en grand monde, ouvert Saint-Hubert. Bon, et représenter pays de façon officielle dans la compétition officielle, ni pas seulement et yon bon matin levé vin jouer Coupe du monde. Mm-hmm. Nous toujours aimer ça, c'est yon travail qui pour fait de façon permanente. Faut travail là fait en continuité, faut nous toujours à travailler même si nous échouons première fois, faut nous toujours à travailler et faut nous planifier. Pour nous planifier, m'a toujours répété chaque jour il y a une possibilité, c'est même ça m'a brûlé. Pour nous planifier, faut que fédération haïtienne de football yon côté gagner et travail technique là, faut que l'État vienne by Bourad parle participer dans l'élaboration plan ça et faut que secteur privé lui-même lui participer là-dedans. Tout ces trois entités ça qui permettre que nous gain espoir dans la Coupe du monde, parce que jodi là nous en 2018 nous balle Coupe du monde 2018, mais faut que nous gain temps ouais gain un plan et un base cap monter pour 2026-24. Non, 2022 qui a fait Qatar. Mm-hmm. Parce que après 2018, environ un an après, c'est pas la Coupe du Monde, et il n'y a pas la Coupe du Monde qui va le faire. Eh bien, il faut qu'on ait une base, il faut qu'on ait un plan ou mettre sous pied pour permettre que les rêves soient réalisés. Si c'est la veille et compétition ou parler, eh bien, on va toujours voir que nous allons aller l'un de nos adversaires qui se battent nous, eh bien, nous battons, mais immédiatement nous joignons adversaires qui plus ou moins égal ensemble avec nous, nous parlons de sécurité, pas demander, mon Dieu, que nous partions dans le plus gros et adversaire, puis dans le grand lac, nous ne pouvons pas passer. Nous pensons que pour nous arriver tout le monde à participer dans l'autre mondial, nous pensons que c'est un travail qui pour faire de façon continue et pour nous planifier. Pour nous planifier, il faut que l'État privé et fédération de football. Oui, c'est ça. Il faut que l'État entre dans la cause là, et ce n'est pas seulement la fédération lui-même. Fédération qui travaille pas pour le faire, l'État ne travaille pas pour le faire et les journalistes ne travaillent pas pour le faire. Ouais? Et les journalistes là, bon, c'est des petits intérêts, des petits. Bah, nous ne pas entrer dans le détail ça, mais ça pour parler là et tout ils ont choisi pour un parti pour parler. Et puis l'autre là, on va faire, ils ont fait mes zéros. Là. Anyway. Et nous mais nous pas comme ça, c'est ça qui faut nous évolutionner. Faut nous évolutionner cadre là, faut nous repenser ces bagages parce que nous pas capable continuer à faire et j'en appelle là parce que si on fait j'en appelle là seulement et ça se fait trop tête pas. Mais nous pas satisfait un pays, nous pas arriver quand même réaliser un grand projet. Faut nous vraiment élargir vision nous. Nous si j'en pense trop ici nous les haïtiens, faut nous élargir cadre là parce que c'est dans les élargir cadre là et puis autant un gros bagaille, et bien, on joue un gros bagaille. Autant c'est un petit bagaille, on joue un petit bagaille. Il faut que nous sortions dans ce petit coup de nous depuis bien des temps. Oui, c'est ça. Nous avons Pelou Polinis, depuis Chili, nous saluons. Vertidier Teligène, nous en forme pour les PAM. Ilric Nomil, Naïs, c'est ça. Naïs FM, à côté depuis la Cour Gangouave. Bon travail, c'est ça, pas de problème. Et nous qui là vertige intelligent m'a dit que Fouem qui joue y a joué à s'il vous plaît. Bon qui c'est date là même qui c'est 29 mai et 29 mai qui joue la pied la pour m'a dit bon n'est pas. La pour m'a dit vertige intelligent c'est m'a dit qu'il y a 29 mai Haïti lui-même a bien pour jouer avec Argentine. C'est ça. Et nous croyons que nous conclut avec rencontre Haïti et avec Argentine là, on allait dans d'autres informations Ouzel Saint-Hubert puisque information là vraiment là il a avancé à grands pas et nous gagnons la Ligue des Champions Ouzel Saint-Hubert équipe Real Madrid là les mêmes pour une troisième fois yo même yo filé en finale Ouzel Saint-Hubert rencontre qui était joué hier équipe Real là yo même qui sauvé de justesse vraiment. Écoutez, vous même vous parlez pour faire finir ça aux ailes Saint-Hubert. Les grandes équipes ne meurent jamais. Et si vous êtes capable de prendre compte ça et répéter fois ça pour introduire les affaires Real de Madrid, non, parce que vous sentez Real de Madrid l'a souffri, mais c'est lui-même quand même qui va le gagner. Et ceci depuis environ
5 ans. Parce que quand même, c'est quand même et 4 finales. Il va le faire là dans 5 ans. 4 finales Ligue des Champions dans 5 ans. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment que il montre que compétition ça match élimination direct et bien ou senti ou maîtriser. Peut-être que vous capable critiquer ou dans championnat parce que sous 10 dernières années yo dans Liga c'est 7 quand même Barcelone prend ou prend seulement 2 Atletico prend un qui donc vous êtes capable de dire yo moins yo moins en point ou bien pas en point dans championnat mais dans coupe là pendant 5 dernières années ça yo yo montré que pas gen moun qui comprend ni qui fait ça plus bien que yo. Et puis il compte ça encore le joueur je t'ai rentré plus je t'ai gain sans salier comme footballeur et bien comme coach ou senti que nous avons écrit une autre page. Quand on parler de ZZ ouais. On parler de Zidane ZZ et Zidane c'est quand même troisième finale il va le faire. Yon collé à Klopp alors que il était gain sans faire yon comme adjoint avec Ancelotti. Et ça parle de tout le monde. Ça parle de tout le monde et ou senti que monsieur ni là que monsieur fait un coup qui pas marché surtout dans la Ligue des Champions. Ou bien a critiqué le Real pas joué bel football et mais ou senti y a bien quand même. C'est pour équipe malgré que il fait 3 finales Ligue des Champions mais le monde du football paraît connaître Real Madrid comme une équipe qui est impressionnante, les impressionnantes là quand en termes de jeu, en termes de jeu, en termes de qualité jeu la produit c'est pas un jeu chatoyant, c'est pas football citoyen, c'est football pas football léger, c'est pas football et Bayern Munich qui te gagne Jean Paquet et qui tape contre Néle ou tape craser Barcelone aller retour de ballon en fait de 7 goals, c'est pas équipe ça. Mais son équipe, à chaque fois qu'il y a possibilité pour le joindre l'occasion, eh bien, est très efficace, pour ne pas même dire efficient. Et c'est ça le Real Madrid. C'est pas un Real Madrid qui brillait dans le spectacle, mais son Real Madrid qui gérait. Qui vraiment réaliste. Qui vraiment réaliste, c'est vraiment un Real de Madrid qui a offert nous là hier dans le match. Ils ont montré ça. Pendant que l'équipe là a mis parce qu'à genoux, ou cette équipe là a un cœur. Tout le monde a goût, mais tout le monde a travail. Et vous avez remarqué que Cristiano Ronaldo, c'est vrai, il n'a pas marqué dans la série ça. Mais son série, défensivement, je aide l'équipe là en pile. Vous avez quitté Michel. Toujours fait. Non, à côté de pas quitter le blanc. Premier pressing dans l'équipe ben dans défenseur équipe ben gagner ballon c'est toujours à forcer au jouer il y a pas garder en récupération monsieur fait et même côté ça c'est monsieur Capal fini action en tout mais malheureusement s'il a frappé dans corps joueur je vais pas larguer pour la défenseur ballon à le connaît mais c'est lui même qui a cherché ballon qui a récupéré c'est vrai dans tout le monde qui n'a pas gardé à faire ça la caille mais c'est pour moi que j'ai l'équipe là esprit d'équipe là oui. Tout le monde a défoncé, tout le monde a besoin de gagner. Et l'homme qui a un état d'esprit, ça, il est difficile pour ne pas faire ce qu'elle fait là. Tout le monde vise un seul bagage, c'est gagner. Et il n'y a pas un petit genre, il y a un peu tout le monde a un rôle. Il y a un peu de tout le monde qui a tué l'équipe là, le plus souvent c'est Ronaldo. Et bien, il a joué pour lui, pour tuer l'équipe là. Là, on a un ballon au bal, chacun parle, vous mettez à faire pareil. Et nous parlons là, nous avons quelques réactions, vous avez dit là. À côté de côté, et vous êtes capable de dire, je ne peux pas jouer bel football, mais vous venez d'aider, et puis chaque monde n'a pas le droit, on a un d'intérieur, c'est Casemiro qui a fait le job sale là. C'est la bosse d'air qui a mené le défi. Casemiro a raté le final là. Bien déterminé. Casemiro a raté le final. Oui. Oui, c'est la même chose. Donc, et tâche bien déterminé, et chaque monde accepte le rôle. Et les chats ont accepté le rôle, ils baillent ça comme résultat. Et puis, bon côté Bayern, nous pensons que il te manque un leader. Un leader qui pour faire des clics là. Un monde que, il va qu'on a voulu qu'on met pour faire des clics là, parce qu'on n'a pas qu'à bouger la qualité de football, ça va dominer qui font ça. Et puis, pour qu'on pas faire résultat, et puis, on va battre tout, deux goals bêtes.
à l'aller et au retour. Mais fait penser dans tête garder garder en même où ça dit ben non ça des compétitions ça pour garder à faire de foot ça là. Et but mais moi me passer me passer des fois expérience en côté en pile parce que bon niveau et qualité de match pour jouer sous pas une expérience dans pile pression et ça arrive. Ça arrive. Ouais c'est ça. Même bon. Ça. Et nous gagnons là nous gagnons là Pelouse depuis Chili, 20 en forme en Vétano au tennis. Nous allons voir les PAM, Vétano au tennis. Nous avons Franck, Steven, Tristan qui a suivi nous là. Et puis donc nous gagnons là Jerry Philibert, bon travail depuis Chili qui a suivi nous là. Nixon Pierre, nous allons voir les PAM. Nixon, et puis Adler Pierre, nous allons Adler Pierre. Nixon lui dit non, nous gagnons là tout Nixon qui dit que l'équipe Real lui-même, qui toujours a besoin de Sipo Abit, Marcelo Mayen Ballon, Abit la Babal, pénalité, et Ouzel la Saint-Dibet. Bon, est-ce que je vais prendre ça comme prétexte pour me dire que c'est ça que c'est Real et c'est final 3 fois 4 fois? Non, c'est pas un bac ça du tout. Parce que bonjour, ni Real de Madrid, peut-être Nixon c'est fanatique et Barcelone parce que vient bien quand ça, vient bien esprit ça. Vous regardez tout identifié Monsieur Ouzel. On va faire ce procès à tout, mais ça fait mettre le conditionnel. Ok, voilà. Il semblerait. Voilà. Voilà, c'est le mot. Réflexionnant que c'est ça. Voilà. Mais c'est incapable de dire que combien de fois Barcelone, je ne suis pas habitué Chelsea, c'est. Et j'ai matché le signe. Barcelone va le champion par la suite. Ouais. Une capacité, ça seulement. Mm-hmm. C'est pour montrer au Real, je n'ai pas fait l'autre encore tout lui-même. Même après pour Nixon contre ça. Ça et Thomas Müller, lui-même, il était dit après le match. Il dit à Bitman, c'est un bon match. Et il y a un gros gardien bacan qui t'a sauvé Real de Madrid. Quel bon avance? Yo même yo fait ça pour défendre, peut-être que vous pouvez regarder côté et pour corriger. Je pense que ça fait assez fair play. Donc, on ne peut pas cacher derrière une erreur arbitrage et puis pour nous dire que c'est ça qui mène l'équipe là. Et puis, nous devons oublier toute qualité équipe là de gagner qui permet de là. Moi, je pense que ça fait trop fanatique. Moi-même, fanatique, je ne peux toujours pas le voir. Moi-même, je ne peux pas choisir fanatique. Et. Je ne suis pas un fanatique parce que l'un des fanatiques, je ne suis pas capable de faire pas capable parce que je suis une équipe, je suis un compte, je suis une équipe, je suis un bon petit détail, je ne vais pas chercher. Oui, il y a un arbitrage. Marcelo admet que il y a un pénalité. Mais quand même, l'arbitrage, c'est l'homme mieux. Il dit frère, ou bien le pas, ouais. On y a là, c'est là le débat arrivé. Est-ce que Ligue des Champions pas supposé gagner vidéo? Est-ce que tout l'autre championnat n'a pas supposé gagner vidéo? Parce qu'avec vidéo, il a pénalité. Là, on est capable de comprendre le débat. Ça. Mais avec est-ce que pénalité, nous pas capable de faire match encore. Essentiellement, on a regardé l'attitude équipe Real Madrid blanc, qui gère Real Madrid, qui est comporté dans le match, comment Bayern Munich est comporté dans le match football blanc. C'est ça qu'on a regardé. Et là, si on a regardé ça, on n'est pas capable de répondre à la question. Mais cette affaire de polémique, pénalité ou pas pénalité, nous ne sommes jamais capables de faire match. Sauf que nous sommes capables de poser problème. Est-ce que vidéo n'est pas inconditionnellement et faut son bagage qui pour dans jouer dans le jour d'hier parce qu'il y a trop d'arbitrage. Là, nous sommes capables de faire débat. Mais est-ce que Real toujours supporte Real? Non. Nous ne pouvons pas faire Real plus comme dans le monde. Nous ne pouvons pas faire Real qui a battu comme et nous ne pouvons pas pour une équipe à l'oser dans un habit comme et pas pour faire telle équipe à l'oser. Je ne sais pas ça. Ça a toujours attendu parce que immédiatement ça t'a fait que les gens qui arrivent dans l'acte de corruption, ça, l'a payé. Même pas là, même si tu regardes côté football, l'équipe de Madrid, ils ont joué avec cœur, ils ont joué avec clip, alors que l'équipe de Munich, qui a joué un bel football, mais pour moi-même, il était manqué un leader, il y a des gens qui ont fait des clics. D'accord. Mais Bayern Munich là même en pile occasion et vraiment là où tu gagne un défense Real qui était vraiment souffri dans maintenant et mais je t'ai dit là Keylor Navas monsieur lui-même qui sorti là Costa Rica malgré que yo babay Keylor Navas tout respect que malgré que nous que Keylor Navas a bien joué pour équipe Real Madrid là mais toujours chercher l'autre gardien sous dos monsieur. Bon, c'est réalité tripéien parce que il n'est pas un Brésilien, il n'est pas espagnol, il n'est pas argentin,
Et bien, malgré tout ça, la portant de chaque année, mm-hmm. et nous sommes les derniers transferts qui échouent à la dernière minute. Qui t'a avorté, Et qui t'a avorté à la dernière minute. Donc, c'est pas injuste. Et bien, nous se comprendre ça, nous connaissons lui-même ce travail pour toujours travailler. Parce que nous toujours aimons dire haïtien ça, l'autre haïtien, ou pas rien doit faire 7 sur 10. Faut qu'on fait 10 sur 10. Ouais. Et l'autre fait 10 sur 10, ça ne dit pas le corrige au la bosse 6, la bosse 7, les soit passé. Mais les fois, 7, mais la mettre dans 4. La mettre au 4, on va passer. On fait 7 pour tout le monde, la mettre au 4. Mm-hmm. Mais l'autre fait 10 sur 10, la petite 3 après la bosse 7, toujours capable. Donc, ou bien pour faire 10 sur 10 chaque jour, les haïtiens. Mm-hmm. Parce que, ou bien, il y a un traitement que, et on préjugé dans ce tout haïtien, pas qu'à faire un bon. Et puis, il y a toujours battu pour aller. Et les gens que, ou ça haïtien, faut qu'on toujours fait 10 sur 10. Et bien, c'est ça que l'on a à faire là. Il y a un temps qu'on est que, il y a un monde que, il n'y a pas aimé, parce que, pour lui, même, il n'y a pas un gros nom, il y a pas un gros nom, et bien, toujours travailler, étudier, et bien, toujours sauver tout. Mm-hmm. Et aujourd'hui, là, il vient paraître injuste pour t'avouer là, lui. Mm-hmm. Parce que c'est lui-même qui toujours, dans la dernière minute, a sauvé l'équipe de Madrid. Encore une fois, pour mental, monsieur, pour j'aime comprendre ça qu'a pris, qui j'aime réagir. Et bien, et de capable dire bravo, bravo, que l'homme va se considérer comme ça. Oui, c'est ça. Et puis, donc, Real lui-même, là, ça va faire un 16e finale, là, il va jouer dans la Ligue des Champions. Il était 15 jours, là, il a gagné 12, il a perdu 3. Et donc, capable là, Real m'a dit, c'est un expert qui est, non, ça est concerné Ligue des Champions, Ouzel Saint-Hubert. Bon, et c'est quand même. Real de Madrid, ce n'est pas pour sans raison qu'on va chercher 13e titre. Il y a 12 déjà. Mais attention, c'est football. Mm-hmm. Et il y a envie de gagner 13e. Non? Et puis, il y a un détail qui ne va pas gagner. Mm-hmm. Parce que quand même, en façon, c'est pas Liverpool, c'est mm-hmm. pas Roma. Mm-hmm. Et par contre, ça va le passer. Et quand même, ça fait football, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Mm-hmm. Pas gagner un résultat d'avance. Et il y a toujours des suspens ça. Et c'est suspense ça qui fait beauté jouer là. Mm-hmm, mm-hmm. Tout le monde doit dire, bon, regardez la chanson, non, attention. Non, non, bah, il va comme ça. Son pire, il va aller. Liverpool passer là, et puis Liverpool, bonnet, et puis il change de donne. Roma change de donne. Tout le monde, dans la série Roma et Liverpool là. Mm-hmm. Liverpool, bon avantage. Ouais. Mais attention, pour que nous ayons fait passer sur Liverpool. Bien, pas parler de la carrière comme ça. Non, non, c'est le football. Surtout dans le football, je pense que c'est le match fini. Et je pense que c'est le match fini. Et moi-même, je t'ai plus bien maintenant pour dire bon, Real champion. Ou bien Liverpool champion. Mm-hmm. En attendant, on a fait projection en fonction de ça, équipe qu'on produit. Mm-hmm. Et pour faire une analyse, ou garder qui ça va faire plus souvent, qui ça va pas faire. Et puis, mm-hmm. ou faire une projection. Mm-hmm. Mais projection, pas vous les dire, c'est ça qui va arriver. Mm-hmm. OK? Ça pas vous les dire, c'est ça qui va arriver. Qui donc en fonction des connaissances ou des joueurs, des équipes, ou faire une projection pour analyse. Mm-hmm. Mais le résultat, c'est dans le match en arrière. Parce que même entraîneur, quand on prépare un plan de jeu, un système tactiquement, eh bien, pendant le match, l'autre équipe, il change de donne, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il fasse leur coup de plume, il faut qu'il fasse leur coup de crayon. Mm-hmm. Eh bien, c'est ça, le football. Là. Et même si vous êtes à moi, mais football, moi, mais sport. Sport, pas gagner, pas gagner, pas gagner d'argent. Non. Mm-hmm. Et travail pour travail. Et puis, ou qui ça moi, Ouzel, grandes équipes qui ont payé ça très cher, là que vous avez, par exemple, de Barcelone, vous avez calé l'équipe ASOM, et Qatar, qu'on a dit, gardez Palma ASOM, et qui joue que vous avez gagné là. Et puis, vous avez perdu motivation. Motivation lui-même, c'est bilou bil motivation. C'est pas l'air contre la laisse, absolument. On va le bilou. Et l'autre équipe là lui-même, qui va gagner pour y perdre, il a motivé. Il a motivé pour être capable de faire miracle. Et puis, vous-même, vous allez être sous talent, vous payez ça très cher. Vous avez senti bien. Ça fait dans la vie, il ne faut pas ni sous-estimer, ni sous-estimer rien. Il faut être capable de capacité ça pour toujours être au milieu pour garder ni est-ce que l'adversaire est plus bas, ni est-ce que l'adversaire est plus haut. Et qui, genre, va préparer tête ou mentalement. Et sous qu'on a gagné d'avance, eh bien, on va échouer. Mm-hmm. Et on va pêcher. Mm-hmm. Et vous avez une équipe là, mais pas ouais, équipe qui élimine Barcelone même. Oh, si. Et Téligène, c'est pas ouais, équipe qui élimine. ASOM, mon cher, ASOM. C'est ASOM, oui. Et bon, la question, Nixon, tout.
Nixon met son bagage là, tu vois, le gars de lui là. Oui, monsieur Zipanda a critiqué Navas avec Benzema. Mais Benzema, sauvé, oui. Il sauvé, oui. Oui, mais faut vivre conscient. Critique Nixon et je pense que critique là, des fois, les deux avancer. Même si il y a une critique qui compte détruire le monde, mais ça ne parle pas de qui monde là. Et depuis mentalement fort, et là, on a critiqué, oui, bon, on a essayé de faire plus fort. Je pense que dans le Canavas, ça, pour moi, il est injuste. Mais dans le cas Benzema, et Benzema comme avant, malgré Messi, il est très compatible à un joueur comme Ronaldo. Et les labs jouent devant son avec Ronaldo, il est Ronaldo, il est très compatible. Mais il faut que critiquer ou et penser ça, et peut-être c'est dans la critique ça qui levé au gain et fait un gros plus fort. Et vous allez gagner tout. Nan ap gade la Jim Rodriguez, monsieur Scoré, li pa même célébré Ozel Saint-Hubert. Bon, monsieur Dengas a annoncé ça et parce que le pa célébré en cas où ta marqué et face à l'équipe de Madrid là et il pas fait, mais monsieur frité orgueil et tout parce que et monsieur Talis c'est parce que il pas gagné en pile temps de jeu dans Real de Madrid et là il dans Bayern Munich, il a prêté l'équipe Bayern Munich là qui a une option d'achat et je a joué contre ancien et club li et c'est avec l'équipe ça la finale l'année passée et était arrivé dans la finale et même t'es prêté Ogeli et hier monsieur joue un gros match, monsieur joue un très très bon match, très gros match bon côté James Rodriguez et à partir de goal à part de goal là, on pense que c'était vraiment utile équipe et Bayern Munich là. Et moi, j'aime les joueurs qui ont été en comme ça. Dans la vie, moi, j'aime ça. Là, on me sous-estime. Là, on me n'a pas peur. Donc, on dit que, parfois, les gens ne parlent mal, ne critiquent pas, ne disent pas, ne disent pas, ne disent pas, ne disent pas, et puis là, non, ça m'a avec bon dia, non, j'ai eu. Bon dia, il faut grandir, monter sur eux. En bas, j'ai eu. En bas, j'ai eu. Et bien, ou vient là. C'était une très bonne réaction de mon côté. J'aime bien ça. Et malheureusement, je ne suis pas arrivé à qualifier l'équipe, mais quand même, c'était aider l'équipe là. Et quand même, ouais, c'est un match, c'est les matchs finis. Parce que toute la dernière seconde là, c'est une possibilité pour l'équipe de l'équipe matchs. Et ce semaine, c'était vraiment chaud, hier pour fanatique Real Madrid. Et pour nous, même qui aimons le football, et nous en attente. Et je souhaite garder un match contre ça dans la Napton. Bon, et jeudi à là, et je ne viens pas d'aller à là, et Liverpool, Sylvie, elle fait finale là. Faut qu'il y ait au travail depuis coup d'envoi, rencontre là jusqu'à la fin, jusqu'à la sifflet finale là. Faut qu'il y ait aussi ouvré vraiment là, elle fait finale là, faut qu'il y ait au travail jusqu'à ce match à terminer. Aux 1 cm. Parmi les 3-0 va permettre l'équipe AS Roma passer sous l'équipe et Liverpool, là, malgré Liverpool et ses battu à l'aller, et 5-2, mais bien dit, et 5-2 match à l'équipe, mais 4-1. Et 5-2. Il y a des bons deux goals là et non moins de 10 minutes. Absolument. Et 5-2, 3-0 va permettre l'équipe et Roma passer. Oui, 3-0 permet de passer. Voilà. Et m'a changé que coach Johan, monsieur fait déclaration, monsieur dit, depuis après le match, monsieur dit, moun ki pa kwè pa bezwen vin nan match, même fanatique. Qui donc. C'est ça, mais c'est la bille motivation là. Absolument. Qui donc, monsieur tout dit, moun ki pa kwè pa vini nan stade olympique ou ma, je dis. Parce que. C'est moun ki kwè au besoin même joueur football là vous pas quoi tout ville pour ta mettre pour pas habiller et grand athlète oui là grand dame pas connait c'est pour Real monsieur a écrit ça pas fait Liverpool c'est l'attaque là qui solide en encore monsieur dit pas fait Liverpool c'est l'attaque là qui solide en encore donc monsieur sont fanatiques Real Madrid yeah on nous dit d'identifier monsieur ay permet et Rosel j'ai quand pensé si Roma est plus facile pour Real, et then, bon. Non, fait, tout, mais il a tout dit que n'est pas quoi. Mais l'équipe, ça lui-même, depuis toute saison, il a marqué 39 goals. C'est meilleure attaque pour la compétition. Là. Mais par rapport à l'engagé à Roma avec Liverpool, je vais Liverpool là, puis bon, par rapport à
Ah, ils sont mieux, aux heures Saint-Hubert. C'est pas pour celle Green Matsa, on a regardé à aux heures Saint-Hubert. Donc, on. Est-ce que je pour moi, Marseille, est-ce que je défensivement, il peut être plus bon pour moi que l'équipe et Liverpool? Ils sont très physiques. Mais, c'est ça, tu as dit tout à l'heure, on a parlé des attaques, ils ont pris d'un carrage. Firmino, Salah. Qui fit. Et Firmino, Salah et Mané. Sané. Et je pense que ils ont fit et ils ont porté un pile à l'équipe. Là. Il y a un problème de gagner avec l'équipe Klopp. Généralement, l'équipe Klopp, il y a un problème de toiser pour le point de toiser de la même. Parce que Klopp gagne une philosophie, un jeu d'attaque qui allait rapide. Mais je ne pas jamais capable de jouer un équilibre ça entre aller rapide là et gérer et défensif. Fixer défensif. Nous depuis dans d'autres mondes, il y a de bel football, même si un gol passé. Et c'est même bagaille là pour l'équipe et Liverpool avant première. Sauf que, surtout dans la série et City, nous avons une équipe Liverpool défensivement qui était vraiment pareil. Même si on même dit qu'il y avait fait des Nous avons président, un PDG de la radio Télénago, France Nago, pour son ami nous là. Et il s'est dit qu'on a bien parlé, mais Real a champion. Ça est France Nago, bon bagaille. Et vous avez, by the way. France, je ne sais pas si c'est champion, sauf que Pablo et Mzou, c'est football. Et Real gagne un pile dans la finale, sauf que la prenne. Est-ce que c'est ensemble avec Bayern Munich ou bien AS Roma? Mon Dieu. AS Roma ou bien Liverpool, même si Liverpool est en pole position. Ouais. Mais et généralement, nous, Real de Madrid gère ça assez bien et son équipe nous est capable avec que nous besoin de sauver la saison par un type. Parce que réussir dans Real de Madrid, ce n'est pas fini deuxième. C'est pas fini troisième. C'est champion. C'est fini premier. C'est champion. Moun sa ou pas gagné ou négocié, c'est champion. Qui donc là, il vient pour sauver et saison. Nous pas qu'on est, n'a pas tant pour vivre bel moment ça, comment ça va aller. Mais sauf que jodi, entre Liverpool et Roma, pour nous finir ensemble avec, même pensé que Roma est en pole position parce que y a un avantage score, mais Roma, il n'a pas gagné pour le perdre là encore. Aujourd'hui, c'est tout. Il a même eu le chercher où est-ce qu'il a joué 3 goals. Mais jouer 3 goals là, est-ce qu'il n'a pas pris? C'est difficile moi-même. Pour Roma, je pense avec Liverpool, pendant le pral aller, tout pour l'attaque, et puis pour 3 mounta au devant, pas bas Roma en goal. Bon, moi, je comprends, non? Lui-même n'a pas cherché le goal, parce qu'il a besoin de 3 goals. Mais l'on a devant ça là, qui n'a pas fait aujourd'hui, Sané, Firmino, Trident, ça qui vraiment si jodi en Europe, et bien, on peut laguer toute connaître devant, et bien, pour pas bon goal, au moins, ça fait que mon petit Jean perplexe à qualification AS Roma. Sauf que l'équipe qui vient pour notre appareil pour son zombie, pour le prendre 3 goals, il n'est pas même capable de réagir. Ça fait que mettez Liverpool en pole position, de par score, et de pas Jean sa physionomie match en premier. Parce que son équipe Roma, il va laguer toute colle dans la bataille dès le commencement. Et si on 15 minutes passe, on 30 minutes passe, on passe le goal, nous t'en parle plus, les gens vont pas une perdre patience. Et dans perdre patience, ils doivent une perdre précision que tu as supposé gagner et technique, la précision technique, ils doivent une perdre. Ouzel, et puis tout, Liverpool tout, papa l'a arrêté, gardé, arrêté, barré tout. Il a parlé pour l'attaque tout. Liverpool par exemple. Mais quand même, pour parler de disposition, ça et bon côté Klopp et qui permet des dispositions défensives là, ça va être ajusté défensivement. Mais la preuve que n'importe qui brèche qui gagne pour l'exploiter, c'est de voir son équipe et qui peut essayer de remonter ballon assez vite, immédiatement Roma perd du ballon dans le camp à Liverpool. Immédiatement Roma a attaqué et puis attaque la rotée, ou par l'équipe. Et Liverpool va remonter le ballon rapide pour exploiter sur nom blanc parce que va gagner un peu d'espace dans partie terrain par équipe Roma parce que c'est lui-même qui va chercher gagner faire attaque en tout temps. Et n'a profité ça les bonker vital. Bonker vital et puis nous gagne risque
Saint-Sauveur, il dit que Real Saint-Sauveur, Saint-Sauveur. Et Real Aptan lui-même Real tap Aptan ça cap venir parce que ça est les Ligue des Champions et c'est Ligue des Champions cap là. Il y a tout de qui ça. Même si Baïde et même les dit si Baïde gagne attaque ça, il tape éliminer Real. On a parlé de attaque Liverpool là. Si, il vient pas de si. Non, c'est de gagner attaque et Liverpool là tape qui éliminer Real et bien si Liverpool passe Liverpool pour la champion sur Real, c'est ça veut dire bon gars. Alors il y a des. Vérifiez là. Fred Snagou, ami pas, enfant, Freddy Saint-Élise. Bonjour, bon, après pour nous temps, pour nous suivre, pour nous connaître, comment ça va aller, rencontre qui parle vraiment intéressant, hein. Ligue des Champions, ça allait même, en pile balé. Bon, vous allez, moi, mon Barcelone là, il y a un petit Batman là, après, petit que championnat de ça là, il y a tout le monde qui prend la rue. Mais Lionel Messi là, monsieur gagne empreinte li là et surtout non rencontre ça et surtout non petite ça aux Saint-Hubert. Bon, monsieur joue une grosse saison depuis saison a commencé, vous sentez que monsieur te gagne empreinte sur l'équipe là et me capable dit c'est un Messi dépendant dans FC Barcelone. Heureusement pour eux-mêmes, Messi pas jamais blessé pendant la saison. Et monsieur Pape, j'ai montré que il y a mes formes vraiment pour saison 1, et bien on pensait ça a caché un pile bagaille pour entraîner et Barcelone, et parce que pour moi même équipe Barcelone c'est pas une grosse équipe saison ça, mais t'es surtout gagné donc monsieur le Messi qui planait au-dessus du championnat, qui a fait goal sur goal, qui a fait équipe qui jouer, nous pensons que c'était distingué et c'est distingué parce que c'était distingué de tout l'autre groupe là, c'était vraiment en grande forme qui permet que et Barcelone crasel avec le Real de Madrid qui était mal démarré. Le fait que le Real de Madrid mal démarré raté saison 1, raté commencement saison et bien au pas capable de rattraper équipe Barcelone, c'est une Barcelone qui est étude et pour être capable de gérer le match. Même si il y a quelques matchs qui ont été faits l'année, mais c'est pas sans raison que ils étaient quand même solides en défense et je dis alors capable de Barcelone capable de risquer champion sans le pas perdre. Mais c'est gros travail coach Santi fait en défense pour Barcelone, pas de qualité football il était gagné autrefois, mais c'est une équipe qui était plus direct dans remonter ballon et là où il y pour exploiter contre attaque et penser ce travail ça coach Santi. Et surtout avec mon grand Messi et saison ça malheureusement et nous avons raté Ligue des Champions, mais c'est des possibilités pour nous faire fait triplé encore une fois, même si nous connaissons le fait déjà avec Barcelone, même si j'étais capable de gagner une chance ça, mais malheureusement nous avons bêtement éliminé face à l'équipe AS Roma qui permet que au moins on va parler de triplé, mais et deux championnats doublés ça au ferme parce que ils ont vraiment mérité doublé, hein, surtout Lionel Messi qui a joué dans notre planète. Je dis, on souhaitait que planète Salabjouan déplace planète Salabjouan dans la Coupe du Monde ensemble avec pour permettre l'équipe argentine de remporter la Coupe du Monde. Parce que dans pile critique qui a fait, dans pile reconnaissance, il y a beaucoup de cabal Messi, et même si je ne suis pas d'accord avec Mounzao, mais il faut que nous disions quand même, dans pile reconnaissance, il n'y a pas voulu reconnaître Messi comme ça au dîner, parce que tout simplement, M. Poco levait un bouchon collant ensemble avec l'équipe argentine. Mais pour moi-même, ni si je suis champion, ni le pas champion. Tu as toujours été un grand joueur. Moi-même, je suis venu tout de suite pour moi-même en deux premiers messieurs, Pelé et Diego Maradona. Je suis venu tout de suite en bas comme troisième plus gros joueur dans le monde. Même si je suis champion, même si je ne suis pas champion dans la Coupe du Monde. Bon, là, regardez tout. Regardez les joueurs qui parlent. Sadraïk, OSK, bonjour. FC Barcelone, Fonzi, on allait là avant que nous allions. On a là, Fonzi, on a dit que FC Barcelone est sur la Ligue des Champions, mais il y a une belle équipe, c'est ça. Kéké Joseph, Neg, Jean Rabel, Haïti, nous saluons les pommes. Nous avons Pierre-Louis, et demain, là, aux ailes. Pierre-Louis, c'est année passée, on a dit plus que ça, pour Bayern, on a pris le marché sur Real, et puis le levé trophée, et ah oui. Ken pas sauté, expérience de mon nom, c'est ma tête liée. Ma coûté depuis Guyane française et monsieur, bon travail. Merci Pierre, lui, et bien, n'attendons pour nous, parce que nous n'avons pas de résultat d'avance, c'est après match, nous n'avons pas de résultat. Nous ne pouvons pas connaître ce que c'est Real Cap Champion. Est-ce que Real Cap Champion
Sauf que li gen pile chance là pour lever 13e trophée dans la Ligue des Champions, 3e yon collé à l'autre dans moins que 5 ans ou bien 4. Non non non, 5 ans là et dans 5 ans Real fait pas faire 4 finales là, 4 finales. Et la gros dit lui-même Real pas capable. Bon, ba konnen nan ki espace la go gantan wè match la, mwen menm ba konnen. Mwen se kwen nan, sa mwen kwen nan ekip ay. I kwen nan ekip ay ou se. Non, je kwen, je di Real Bakalè, mwen ba konnen ki planet li yon, mwen pou kwen match la, sauf ke konnen Real an pole position, sepet fata e Roma ou bien Liverpool. Bon, se sa, ou se, vreman la, pil pale. Et tout rapidement la, bon, nou gen la tou, Iniesta, mwen se la, ki te entre nan ekip Barcelona, se te... Et c'était 16 novembre 1996. Il était rejoint l'équipe de Barcelone à l'âge de 12 ans. Et puis, il était à Saint-Vingé et tout. Et 17 septembre 1996. C'est dans le même moment, ça tout. Et même année, là, à Saint-Vingé, il était nommé comme entraîneur équipe Arsenal là. Et puis, monsieur, il a quitté l'équipe là. Et il ne sait qui a quitté Barcelone saison là. Et puis, il a gagné Saint-Vingé, il a quitté. A quitté l'équipe Arsenal là, même année à la tour, vous êtes fait divers. C'est vraiment intéressant. Drôle de coïncidence, drôle de coïncidence. Et c'est quand même des légendes. Dans le sens, pas des légendes parce que Arsène Wenger, c'est quand même plus passé 20 ans dans cette non seule équipe. Monsieur Poté, ça pour le Poté pour Arsenal, malgré quand nous pas content, mais quand même. Et ça que nous ne connaissons pas financièrement, l'équipe là en bonne santé et surtout grâce à monsieur ça. Parce que ni pas de jambes, ni politique côté la pache, en pile joueur, et pour en pile blagent, et surtout, regardez, dans le centre de formation, l'équipe, là, il était assez géré, ça vient. Et c'est quand même, c'est pas un mauvais travail, on est capable d'exiger plus, mais quand même, je fais ça pour le faire. C'est un grand manager qui passe en dedans, et Arsenal, et si on pas ça, fait, ça a fait plus que 20 ans dans cette équipe-là. Et puis, je nomme ça, il y a ça, tout côté, monsieur passé, c'est respect, mais pas que mon équipe adverse, mon public adverse, qui était quand même consiflé ou bien aller à l'encontre de Iniesta, Iniesta son respect tout côté le passé. Monsieur, c'est vraiment un homme qui humble, un homme qui respecte tout le monde, un homme qui sage et monsieur souterrain football là, monsieur l'aile ballon en pied et personne n'a qu'à courir dans la même c'est cerveau équipe là et quand même monsieur fait ça pour le faire, chapeau à Chris et c'est vrai ou pas jouer. Et dans Barcelone, comme par contre, quand on va aller, on va faire un petit de vacances. Et pendant qu'on va faire un petit de vacances, nous ne connaissons pas si c'est en Chine, est-ce qu'on va venir à MLS, mais pour ça, on offre le monde du foot en Europe à travers ces Barcelone et les sélections espagnoles. Je crois que c'est un seul bagage qui manque, et je pense que c'est seulement ballon d'or. Et comme étant, messieurs et France Football, ils ont écrit un article pour un genre. Et nous capable de faire une sorte d'excuse parce que M. Patrick a porté un ballon d'or, eh bien, nous pensons que nous reconnaissons lui. Mais pour se représenter, pour se faire dans le football, il n'est pas ce chapeau. Nous pensons que personne n'a pas dit un lien que retirer le chapeau, non, ça l'a dit. C'est ça. Et Nixon a fait un travail là, et c'est toujours du fond qu'on a habitué, vous Dieu cool, oui, nous saluons le bam. C'est Nixon qui dit ça. Nixon, bonjour. Nixon, bonjour. Vous perdez, vous êtes d'accord, vous perdez. Le bam, il n'a pas venu. Faut il n'a pas venu, mais ça, Nixon. Dieu cool, hello. Oui, c'est ça. Anyway, cool, non, forme, forme. Bon, vous allez nous parler de cas, c'est ça, mais avant tout, nous gagnons la formation, ça faut que nous manions lui, là, en termes de nous gagnons la Coupe du Monde, là, et... Et en termes de Coupe du Monde des clubs, ils ont pris voilà pour changer ça. Et puis nous avons tout Carlo Ancelotti là et monsieur là qui est resté pour Paris Jack pour devenir entraîneur de la sélection italienne de football. Mais nous avons là et Roberto Mancini, monsieur les mêmes qui en pour là pour être capable de gagner la sélection italienne de football là aux ailes Saint-Hubert. Italie qui a souffri depuis quelques temps et malheureusement et n'a pas qualifié pour Coupe du Monde et n'a capable bon idée pour qui raison pas qualifié en Coupe du Monde c'est parce que gagné problème ça dans sélection italienne là et bien on t'a pas tenté Ridori Blason ensemble avec Carlo Ancelotti qui s'est expérimenté mais et t'as semblé dans l'autre offre et bon côté club yo
un plus gros club pour ou bien un club pour Ancelotti et pas bien lors de la sélection c'est un coup en congé oui c'est un coup en vacances oui ou pas sur terrain chaque jour ou bien ou, et contrairement peut-être que je n'ai plus et envie pour entraîner un club qui est en sélection même si sélection pays Mancini et nous comme ça le fait déjà en tant que technicien son ancien grand joueur de football dans la sélection italienne dans tout et peut-être que je peux essayer avec méthode pâle, redorer blason sélection italienne là. Mais c'est pas pour mauvais bagage c'est pas pour Ancelotti pour tenter chanceux ensemble avec et Mancini et souhaiter vous bonne chance et pour suite Cavani parce que quand même Mondial va et Italie va le manquer nous parce que grande nation football ça yo à chaque fois là me penser au mettons plus et là au palato ou senti absentio même si la vie a toujours continué ça vous même oui c'est ça et vous allez pour nous conclure là et nous gagner la NBA la équipe bon avant la NBA il y a Verti Dieu et Téligène qui m'a dit est-ce que Neil m'a vu dans Real Madrid et est-ce que c'est vrai nous pas connaître et sauf que c'est même gens ensemble avec nous ni quelques papiers et il vraiment a alimenté dossier ça nous pas connaître et toujours ça toujours arrivé chaque fin de saison et il y a toujours un bon ensemble de joueurs et tout partout dans tout club nous pas connaître soit à suivre parce que et autrefois et les paroles PSG Neilman à PSG en devenir un peu monde pas prendre au sérieux et bien il n'a pas venu en réalité et bien dans même question ça il y a quelques temps a alimenté et sujet ça Neilman à Real Madrid nous beaucoup connaît sauf que n'a suivre parce que nous pas bien placé pour d'abord dire la vérité parce que nous pas dans sous là c'est information que je vois les nous recevoir information capable traiter et puis pour nous dire non seulement suivre et pour nous dire est-ce que Neilman lui-même n'est pas dans Real Madrid ou bien est-ce que la prêté dans Paris Saint-Germain ça seulement capable dire intelligent et puis il y a Nixon qui bon moi pas au football Real pour saison en Ago. Bon je dis Ago pas qui football Real a joué. Ça, monsieur la église a fait non et football toujours gagne mesi, yon série joué. Bon, football toujours gagne mesi, yon série joué. Bon, on va comprendre ça, Richard, les parents. Ça dit que football toujours gagne mesi, yon série joué. Bon, bah, on va comprendre. Nous va tellement comprendre. Richard On allait dans dernier soir pour aller parce que par des noms des hommes. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, nous faire le tour, là. Bon, nous qui la NBA, NBA lui-même, équipe Cleveland, surtout avec les bons James, hier soir, mais c'était jeune monde qui était aidé lui là, des jeunes monde qui était aidé, et côté équipe Cleveland même, yo arrivé battre équipe Toronto lui-même dans overtime, 112 à 113, aux heures Saint-Hubert. Bon, nous qui nous t'a parlé. Vous êtes dans les bonnes et côté pas vraiment gain aide mais nous là hier soir et surtout Karl Cover Dia Smith mais ça va te répondre et Cleveland lui-même qui prend avantage terrain aux ailes Saint-Hubert. Bon by the way moi même pendant week-end qui se passe là de la caille monsieur de même de la caille les bonnes de la caille les bonnes tout ce week-end et tu vas voir tu vas voir c'est où à yo Deo Ayo et c'est hier soir montré bien ça et Orlando qui donc on pas temps au match hier mais moi résumé match moi que son équipe et Toronto qui gagné match là maintenant même et pendant trois premiers quarts d'heure mais dans quatrième quart d'heure et bien les bonnes n'ont pas fait différence là et bien monsieur pas perdu ça le momentum là et bien et malheureusement pour eux et lorsqu'il les bon on a besoin fois il faut qu'on toujours été concentré pendant tout match parce que monsieur c'est un battant c'est un gagnant c'est pas jamais perdu et monsieur c'est un bête de la nature son force monsieur bon force par contre je donne force ça c'est vraiment et ou pas jouer avec monsieur sacré les bonnes et parce que monsieur encore une fois marqué l'histoire et dans affaire bien même si pour moi même équipe Cleveland pour qu'on s'allie et on pense que Toronto est capable toujours éliminer. Parce que pour moi-même, l'équipe là n'est pas capable de reposer seulement sur les bons James. Parce que je pense qu'il faut que ça résoudre ça. Heureusement, et dans le match hier soir, un soldat répond à côté de les bons qui permettent de remporter série. Mais quelques matchs au jeu, on sentit que les soldats n'ont pas répondu du tout à côté des bons. Je n'ai pas référence dans tête
sixième game nous sommes ensemble avec Indiana et était vraiment nul et était vraiment pas répondre à coéquipier qui c'est LeBron James et était vraiment nul et je pas connait combien ça si au capable by performance à chaque jour bon côté LeBron peut-être ou capable espérer que Cleveland et faire finale conférence mais moi pas tellement quoi dans l'équipe Cleveland pas. Bon, c'est ça. Et puis, nous avons la tour équipe Golden State là. Et avec le retour de Stephen Curry. Et monsieur lui-même, Tesco, il a fait 28 points hier soir. Il a fait 28 points. Et surtout, il a gagné Kevin Durant. Vraiment là. Et monsieur lui-même, qui a fait 29. Équipe Golden State lui-même, vraiment là, qui a fait petit bonhomme de chemin. Il a mené. C'est à au dépend de New Orleans Pelican, DA0, Rouvel Saint-Hubert. Bon, mais tout le monde connaît que mon seul côté pour le temps Golden State, c'est dans la finale là. Et dans la finale là, il y a un petit problème tout petit là. Et parce que est-ce qu'on est capable de résoudre le problème Houston là? Dans la série et dans la saison régulière là, Houston est vraiment dominé. Est-ce que dans la finale conférence? Mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que nous perdons Ozel? Ozel Saint-Hubert. Ozel Saint-Hubert. Est-ce que nous perdons Ozel Saint-Hubert? Nous profitons de Salo Fritzer Saint-Vélis. Habite pas nous. L'éclair Fénelon. Bonjour, l'éclair. Et nous saluons l'éclair. Et nous perdons Ozel Saint-Hubert. Est-ce que nous gagnons Ozel Saint-Hubert? Est-ce que nous avons Rosel Saint-Hubert? Ça, et nous perdons Rosel Saint-Hubert. Vraiment, mesdames et messieurs, que c'était confort pas non, Rosel Saint-Hubert, depuis Orlando, monsieur lui-même, vraiment là, qui était présent dans l'espace univers des sports. Bon, et Cleveland, Toronto 113 à 112, et puis tu as gagné Golden State Warriors, qui débat New Orleans Pelicans, 121 à 116. Et bon, à faire lui-même, a gagné une rencontre qui a gagné pour jouer dans NBA. Hein? Côté n'a gagné là, son seul rencontre qui a gagné à faire là, Utah Jazz lui-même qui a gagné pour jouer avec l'équipe Houston Rockets lui-même qui a mené Serie A 1-0. N'a pas le temps pour nous connaître. Comment ça pour aller, mesdames et messieurs? Bon, c'est là que nous avons mis en bout dans l'espace univers de sport. Et nous sommes contents pour nous gagner matin, après-midi, ça dépend de qui est que vous avez écouté nous. Nous avons gagné ensemble avec nous Rosel Saint-Hubert et depuis Orlando lui-même qui était présent dans l'espace univers de sport et avec Zanipa World Foot Boutiste, vraiment là, qui t'a observé. Merci bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et côté Nabguyen, pour nous retrouver demain soir dans sa concernée sport réel avec Zanipa World Foot Boutiste et Hero Chéri depuis Montréal, Canada. Merci bien à tout le monde. Nous espérons que nous nous retrouvons dans l'autre édition. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ciao. Allez. Changer tactique ça.
talent mondial yo banye gen doa fort. Kounya son sel bagay na ton, son micro doa. Pas gen dispute palmarès parce qu'en toujours devant. Ça mwen me ande ki pam nan mwen gen bon avant. Isolant nan point d'attaque là, la score moun. Bipi si kampe deyem, la gonfle moun. Flèche 1, flèche 2, nous tout pou yo. Bipi klaman de rache, pou de pou yo. Avec éducation, la bon pour moi, pour lui, pas moi, des plus explications. Respecté. Matada déjà l'a toujours songé.